Le parquet de Villefranche-sur-Saône, Rhône, a ouvert une information judiciaire, vendredi, après la mort d'un enfant qui avait mangé des crêpes dans son école alors qu'il était allergique au lait de vache. Une information judiciaire pour homicide involontaire par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité a été ouverte vendredi 6 avril par le parquet de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, après la mort d'un enfant qui a mangé des crêpes dans son école alors qu'il était allergique aux produits lactés, a appris France Info de sources judiciaires. La maîtresse qui a donné les crêpes à l'enfant a été de nouveau entendue vendredi puis laissée libre. Elle sera convoquée ultérieurement par le juge d'instruction. Jdin, 6 ans, est mort jeudi 29 mars. Après avoir mangé des crêpes, lors du carnaval de son école, à Lima, dans le Rhône, le père de famille avait réagi sur France Info en accusant la maîtresse de son fils. « Pour moi, c'est totalement la faute de la maîtresse », avait-il témoigné samedi 31 mars. Le garçon était scolarisé depuis 3 ans dans cette école maternelle, donc ils sont tous au courant pour l'allergie au lait de vache et ce qu'il faut faire en cas d'urgence, avait assuré Fabien. Le père de l'enfant, le personnel avait confectionné et proposé des crêpes aux élèves. Le petit garçon, Jadin, qui avait l'habitude de manger des crêpes à l'eau à cause de son allergie, avait mangé 3 crêpes, faites à base de lait. Il s'était rapidement senti mal. Dès que la mère du garçon est allée chercher son enfant à l'école, elle a tout de suite remarqué qu'il n'allait pas bien. Il était déjà en détresse respiratoire, avait expliqué le père du petit garçon. L'autopsie a montré que le petit garçon de 6 ans est mort d'un choc anaphylactique. Une réaction allergique immédiate, a indiqué le procureur de Villefranche-sur-Saône. À lire aussi sujet associé enfants adolescents et faits divers.